Vous êtes dans l'avion, hein, l'avion se pose justement sur la ville de Tokyo et vous sortez de l'aéroport, hein, alors que vous découvrez justement la ville de Tokyo, pour peut-être certains d'entre vous, ciel rougeâtre, hein, piégé dans vers miroir des buildings, des pulsations d'idéogrammes de néon, multitudes. Masqué par les filtres respiratoires, la neige rosée comme des cristaux de sang, gorgée de particules métalliques, recrachée par les usines de Tokyo. Bienvenue au Japon. Ouais, ça a pas changé. Il y a un truc en Ishiwa. Ça a toujours la même tête que la dernière fois que je suis venu, en tout cas. Je suis en train d'enfiler un t-shirt au-dessus de mes bandages. Il faut trouver où il bosse, où est-ce qu'il compte faire ses expériences. Peut-être essayer de trouver le journal Tech Life pour voir l'article entier, je sais pas. Ouais, en sachant, à savoir que notre ami Prometheus nous avait dit que c'était très compliqué de voir Kobayashi. De toute façon, on va atterrir, on va faire le point avec Prometheus. Par hasard, mon père, il a bossé pour des entreprises japonaises. Tu saurais pas dire, c'est pas exactement. D'ailleurs, je vais vous mettre les dernières news. Ah. Allons-y. Dans le journal. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Japanese Revolution. Lors d'une gigantesque conférence de presse à Tokyo, M. Kobayashi, le génie de la cybernétique, vient d'annoncer sa première expérience de câblage. L'événement aura lieu dans 2 jours devant les télévisions du monde entier. Le savant nippon compte bien démontrer que l'on peut établir un lien entre l'homme et la machine. Le monstre de Rome, identifié. Découverte de 127 cadavres dans les sous-sols d'un club italien. À la suite d'une investigation policière, le patron du Pandemonium a été reconnu coupable des meurtres. Selon les autorités, il s'agit d'une des plus terribles affaires de tueurs en série depuis 50 ans. Exode urbain. Effrayé par les émeutes, les prophéties apocalyptiques, la comète de Gibson ou les fêtes excentriques, certaines populations émigrent loin des centres urbains pour la fin de l'année. SOS structure d'accueil sur http://net.onu.com. Ultimate Berlioz, le gigantesque concert multimédia du compositeur Benson Berlioz, se déroulera simultanément à Moscou, Londres et Washington le 30 décembre. Plus de 8 millions de visiteurs sont attendus. Réservation sur vos serveurs nationaux habituels. Naissance d'un titan, d'accord. La corporation EBM fusionne avec 3 concurrents pour devenir le nouveau géant de l'informatique Cyberlink Tetranova. Tandis qu'on s'élève déjà contre son monopole, Tetranova annonce la sortie du processeur révolutionnaire IRD 6066 pour février 2000. À ne pas manquer des grandes manifestations de fin d'année. Wonderwall in Paris, à partir du 24-12, la capitale française transformée en gigantesque parc à thème. Et Coming of 2K, le 31-12 à New York, fête et défilé. Miracle. C'est du moins ce qu'affirment les 30 000 pèlerins qui ont afflué en masse à Rio aujourd'hui pour assister à l'incroyable phénomène. La gigantesque statue du Christ plantée au sommet du mont Caravacodo s'est mise à saigner. Miracle, supercherie. Ok, donc Kobayashi va faire son expérience dans 2 jours devant toutes les télévisions. Hey. Il faudra en savoir plus sur où est-ce qu'il va faire ça. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on ait un petit entretien téléphonique avec Prometheus, des fois qu'il ait peut-être des informations. Peut-être qu'il a des liens avec Kobayashi. Là, vous êtes sorti de l'aéroport, hein, donc vous pouvez l'appeler. C'est ce que je vais sortir le téléphone et je vais commencer à l'appeler. Toujours pareil, hein, son homme de main qui répond oui. Ce serait possible d'avoir Monsieur Prometheus? Bien sûr. Tu attends 2-3 minutes, hein, Prometheus. Ici Josh, on est arrivé au Japon. On a besoin de plus d'infos sur ce Kobayashi. Comment va Stan ? Il va mieux, je suppose. Tant mieux. Pour ce qui est de Kobayashi, vous savez comment on peut le rencontrer ? Oui, boss ? Je peux essayer de faire jouer mes contacts pour vous faire le rencontrer. Ok. Il faudrait qu'on arrive à le rencontrer. Et il faudrait aussi qu'on sache où est-ce qu'il va tenir sa grosse conférence dans 2 jours. Je vais essayer de voir. Je vous promets rien, par contre. Compris. Et sur ce, je raccroche. Vous attendez un peu, le temps de louer une voiture, de manger un peu, ce genre de choses.
de faire du change. Itadakimasu. Faire du change également. Et donc téléphone sonne, hein, Josh, hein, et t'as l'homme de main donc de Prometheus, hein, au bout du fil. T'es Josh. A réussi à vous avoir à l'entretien avec Kobayashi. Donc il faut le rejoindre à son immeuble privé. Enfin, celui de son entreprise. Par contre, où il va tenir sa conférence, personne ne sait. Apparemment, l'endroit est tenu secret pour l'instant. Okay. On essaiera de lui demander. Merci quand même. Vous avez besoin d'autre chose ? Pour l'instant, je pense que ça ira. On vous recontactera si on a besoin de plus. N'hésitez pas. Très bien. Bon, on a du neuf. Kobayashi a accepté de nous rencontrer à son immeuble privé. Très bien. Bien. Je suis en état de conduire. Oui, tu t'es remis. Hein, avec le coup est assez violent, mais heureusement, les médecins de Prometheus ont été efficaces. Encore mal, hein, je veux dire, c'est encore douloureux, mais ça va. Donc, ben, on prend la voiture. Et. On va essayer de se démerder dans le trafic nippon. Bah, vous roulez, hein, quelques temps, jusqu'à arriver. Bah, c'est dans le quartier traditionnel de Tokyo, hein. Donc c'est dans le quartier traditionnel. Et donc vous voyez cette tour, hein. Donc c'est vrai que ça ressemble un peu à un temple Shinto, hein. Mais alors que vous approchez, après que vous êtes garé, vous voyez que ça déborde de technologie à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'il y a ce paradoxe, en fait, hein, entre ce building au cœur du quartier traditionnel et une forteresse automatisée, hein. Et donc vous arrivez devant ces portes qui ne s'ouvrent pas. Et vous avez juste petit interphone, hein, avec, vous voyez, un visiophone, en fait, hein, à la porte. Alors, par contre, là, je suis en équipement complet. Hein. Gilet pare-balles, fusil à pompe sous l'imper. Un peu comme nous. Enfin, moi, en tout cas, j'ai récupéré ce que j'avais aussi au début de Rome. Ouais, ok, ça marche. Bon, j'appuie sur l'interphone et je fais signe aux autres. T'entends parler en japonais ? Hello. Ah, tu réponds du coup en français, une voix robotique. Oui, monsieur, bonjour. Kobayashi. Oui ? Voilà, nous avons rendez-vous avec le professeur Kobayashi, de la part de Prometheus. La porte qui s'ouvre, vous entrez, vous voyez des écrans plats un petit peu partout et tout ça, vous êtes accueilli finalement par truc un petit assez bizarre, hein. Vous avez l'impression que c'est une espèce de robot qui vous accueille, en fait, hein, et qui vous salue, en fait. Le seigneur Kobayashi va vous recevoir et vous indique un ascenseur. Moi non plus, je les aime plus. Il n'y a pas des escaliers. Moi, je trouve ça cool. Allez, on y va. Vous approchez de l'ascenseur, la porte s'ouvre. C'est vraiment un robot qui nous accueille ? Oui. C'est un spécialiste de la cybernétique, hein, donc. Ouais, mais. Puis quand fallait s'y attendre quelque part. Je me mets au fond de l'ascenseur. Vous montez dans l'ascenseur, les portes qui se referment, hein, et puis l'ascenseur monte tout seul. Dès que les portes se sont refermées, monte plusieurs étages, les portes s'ouvrent. Vous sortez, vous arrivez dans une espèce de grand salon, hein, typé justement nippon, hein, style japonais, et un écran qui s'allume, en fait, hein. Et vous voyez cette personne. Bonjour, je suis le seigneur Kobayashi. Sur l'écran. Oui, il est sur l'écran. Il est vraiment comme ça ? Je sais pas dire si c'est l'écran qui fait ça ou autre. Mais oui, en tout cas, il est. Il est habillé comme ça. Il ressemble. Attends, il est pas physiquement là ? Non. Non, c'est un écran qui s'est allumé. Ah, on espérait vous rencontrer en personne, monsieur Kobayashi. Vous m'avez devant vous ? Certes.
pas possible, vous êtes... Konnichiwa. Enchanté de... quand même. Hajime mashite. Que puis-je pour vous ? Nous aurions aimé vous poser quelques questions, mais serait-il plus pratique en personne, en vérité. Moi, je suis en mode surveillance de la pièce, de l'extérieur, les points d'accès, etc. Moi, j'ai quelque chose à vous demander aussi. Aimeriez-vous être mes pilotes ? Vos pilotes. Et vos pilotes. Oui. Pilote, c'est votre expérience, c'est ça ? Définissez oui. Pilote. Le truc devant toute pour votre expérience. Oui. Dites-nous en plus. Je recherche des pilotes. Ça consisterait en quoi ? En piloter mes motos. Des motos ? Oui. Oh. Test de pilotage, le premier. Nous ne sommes pas là pour ça. Alors je ne suis pas intéressé. Attendez. Notre ami est quelque peu sur les nerfs, excusez-le. Si on le fait, vous répondrez à toutes nos questions, vous rencontrerez en personne. En effet. Jette un regard aux autres. C'est donc une offre à prendre ou à laisser. Quand tu regardes dans ma direction, je sors le poignard et je le montre. Camille, tu sais faire de la moto ? Non. Mais a priori, on parle de... On parle bien de votre technologique. Oui, voilà. Tout à fait. Il n'y a pas besoin de savoir donc, piloter de base. Il n'y a pas besoin de savoir, oui. C'est... le but de ce test. Acceptez-vous de passer un petit test pour moi ? Donc, pour savoir si vous êtes digne. Êtes-vous au courant, monsieur Kobayashi ? Je pense que vous êtes au courant que si ce test vient à rater, nous mourrons. Mais non. Ferons en sorte d'assurer votre sécurité. Ce test me tient à cœur. Il vous faut combien de pilotes ? Test de pilotage. Autant que je peux en avoir. Acceptez-vous ? Je vais de toute façon, pour ma part en tout cas, accepter votre offre. Cependant, il faut que vous compreniez quelque chose, monsieur Kobayashi. Très bien. Votre technologie peut attirer des gens. Quatre portes qui s'ouvrent sur le côté. Rentrez chacun dans une cabine. Et là, il nous voit toujours l'écran où l'écran est coupé. Ouais, il est toujours là. Je fais face à l'écran, je dis « Vous êtes au courant que le boucher est sur votre piste et qu'il va certainement vous tuer pour avoir votre programme ?» Veuillez rentrer dans la cabine ou quitter les lieux. Je rentre dans la cabine. C'est pas un être humain, on a affaire à une sorte d'ordinateur. Vieux schnock de merde. De toute façon, il est déjà passé le boucher. Alors, je... Vous voulez la moto ? Je me dirige vers la cabine et vous m'entendez marmonner « Putain de vieux schnock sénile de merde de mes couilles !» Je suis en train de jurer en russe. Bah ouais. Tu rentres dans la cabine aussi, Reinhardt. Ouais. Okay, je sais pas où là. On va profiter à vous, mon merde. Ça pue sa mère. Je suis, mais j'en ai marre de cette putain de merde. Je suis trop vieux pour ces conneries, quoi. Okay. Les portes se referment. Camille, oui. Donc tu es dans cette cabine hein, qui se referme hein, et tu vois en fin de compte hein, un message qui s'écrit « Dans la voix du sage réside un trésor de vie ». Et tu sens la cabine qui se décroche en fait et tu commences à tomber. Il y a quelque chose dans la cabine ou c'est juste une cabine hein ? Bah tu vois une cabine, tu vois qu'il y a un haut-parleur, tu vois les portes, comme une cabine d'ascenseur.
Ok, le message, tu peux me répéter ? Le message. Dans la voix du sage réside un trésor de vie. Camille, compte-t-il descendre ? Elle descend toujours. Ah ! J'essaie de. T'essaies d'ouvrir la porte en fait, hein, mais t'y arrives pas, hein, et ça continue de descendre. Ah, mais je vais crever. Je sais pas quoi faire. Y a que l'écran, y a que les portes, y a le haut-parleur. La cabine se freine. Et ensuite elle remonte. C'est okay. Quoi ce bordel? Les portes se referment et tu vois un message qui s'écrit « Dans la voix du sage réside un trésor de vie. » Et la cabine qui se décroche et elle est en train de tomber. Hein? Ok. Dans la voix du sage réside un trésor de vie. Dans la voix du sage réside un trésor de vie. Qu'est-ce qu'il y a dans la cabine autour de moi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois les portes, tu vois il y a un haut-parleur. Ça fait comme une cabine d'ascenseur en fait. Ok, il y a des boutons? Non, il n'y a pas de boutons. Le haut-parleur, si j'essaie d'appuyer dessus. T'appuies sur le haut-parleur, hein, mais non, il se passe rien. C'est pas un bouton, hein, c'est juste un haut-parleur. Ok, Donc attends, il y a le haut-parleur, il y a quoi d'autre? Bah, pas grand-chose d'autre, hein. Ok. La cabine, je peux pas l'ouvrir. T'essayes, hein, non, les portes sont fermées, hein, et tu sens que t'es en train de tomber. Ok. Dans la voix du sage réside un trésor de vie. Dans la voix du sage réside un trésor de vie. C'est une énigme à la con. Si j'essaie de me pencher sur la signification de ces mots, est-ce que j'essaie d'en comprendre davantage? Ça me dit trop rien là tout de suite. Bordel de merde, bordel de merde, bordel de merde. Je peux voir le sol qui se rapproche ou pas là de là où je suis? Non, t'es dans la cabine, hein, mais tu la sens qu'elle est en train de tomber, hein. Ok. Mais je peux pas vraiment le confirmer. Ah non, si, t'es sûr, t'es en train de tomber. Ça se sent quand t'es dans une cabine qui tombe en chute libre. Putain de merde. Je peux pas forcer la cabine. De toute façon, c'est une idée à la con. Je sais pas. Dans la voix du sage reste un trésor de vie. Bah normalement, si son truc est mécanisé, il faut que je me calme. Alors déjà, j'essaye de rester aussi calme que possible. La cabine s'arrête. Et elle est en train de remonter. Les portes se referment. Et tu vois un message. Dans la voix du sage réside un trésor de vie. Et la cabine décroche et est en train de chuter. Je me crois pas. En chute libre. Je suis plaqué contre le. En haut ? Quand même pas, mais voilà, tu sens qu'elle est en train de chuter là, la cabine. Réaction à la con, j'appuie sur les boutons. S'il y a des boutons. Pas de boutons. Il y a un haut-parleur, tu vois, il y a les portes, il y a le haut-parleur, c'est une cabine d'ascenseur. Sauf qu'il n'y a pas de boutons, tu vois, il y a juste le haut-parleur. Bah, je suis en train de gueuler en russe. Qu'est-ce qui m'arrive, putain de bordel de merde? Ouais. Et j'essaye de. Il n'y a pas de trappe, il n'y a pas d'ici, il n'y a qu'une seule. Il n'y a que les portes. J'essaye d'ouvrir maintenant. Je trouve ça bizarre maintenant parce qu'il y a plusieurs secondes déjà qui sont passées. Non, t'y arrives pas. Ça s'ouvre pas. Dans la voix du sage réside un trésor de vie. Quoi, ça se répète? Je te le rappelle. Dans la voix du sage réside un trésor de vie. C'est bien, ok. Mais je suis en train de tomber, donc. Je crie. Ouais.
Bah, y a pas de miroir, y a rien. Non. Laissez-moi sortir, stop. Je dis plein de mots comme ça, dans toutes les langues que je connais. La cabine freine. Et elle est en train de remonter. Reinhardt. Oui. Les portes se ferment. Je sens pas bien là. Dans la voix du sage réside un trésor de vie. Et la cabine décroche. Elle en chute libre. Qu'est-ce qui se passe? Comment on arrête ça? Je vois quelque chose, je vois des boutons, je vois des trucs. Tu vois un haut-parleur. Non, y a pas de bouton, tu vois un haut-parleur. Comment on arrête la machine? Oh putain. Je sens toujours la sensation de chute, je suppose? Oui. Ah. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Sortez-moi de là! Je veux plus! Je veux pas arrêter! Oh putain! Dans la voix du sage réside un trésor de vie. Dans la voix? Faut parler? La vie? Trésor de vie? Quoi? C'est quoi cette histoire? Mais sortez-moi de là, je veux pas! C'est quoi cette histoire de trésor de vie dans la voix du sage? Quoi? Et stop, et arrêtez! Merci, au revoir, salut, bonsoir! Je comprends rien à votre énigme là, arrêtez! La cabine se freine. Et tu remontes. Vous voyez les. Quatre cabines qui se rouvrent. Le test n'a pas été très concluant. Ok, c'était quelque chose. Que vous ne puissiez être de bons pilotes. Je vais vous inviter à quitter les lieux. Mais qu'est-ce qu'il y avait à piloter là-dedans? C'est un test, comme je vous l'ai dit. Un test de quoi? Il n'y avait rien à faire. On tombait. Un test de stress que vous avez lamentablement échoué. Ça, y a pas besoin de me mettre dans le tuyau pour me demander, hein. Je vous aurais dit tout de suite que je suis pas, c'est pas pour moi. Où est la porte de l'ascenseur par laquelle vous êtes arrivé qui se rouvre? Bonne journée, Gaijin. Et l'écran qui s'éteint. Gaijin, c'est qui les Gaijin? Gaijin. C'est pas trop. On n'a pas croisé un seul être humain depuis qu'on est rentré dans le bâtiment. Non. Tsukubayashi n'est pas humain. Ou alors, il est dans cette machine à la con. En tout cas, si c'est un être humain, je le bute. Donc, je m'engage vers l'ascenseur. Et moi, je suis tout blanc, moi. Là, je suis tout blanc. C'était quoi, ce malade? Alors, j'aimerais bien savoir comment il fallait faire pour réussir ça, pour le coup. Ah ouais, parce que là, moi, je... Dans le haut-parleur, il y avait un bouton derrière le haut-parleur. Enfin, dans la voix du sage réside dans le trésor de vie. Putain. J'ai jamais été bon en énigme alors. Moi non plus. J'aurais jamais pensé à ça. Oh moche, quand j'ai touché au truc, j'ai rien vu. Ouais, il y en a deux qui étaient pas loin, mais ouais, vous avez pas. Oh je non. Continuez à chercher dans le haut-parleur. Vous ressortez de l'immeuble, et donc. Oh non, remboursé. Dans Tokyo. T'as pas ton lance-roquette là parce que tu fais péter hein, celui-là. J'ai deux grenades, mais je ne pense pas que je l'atteindrai. Faut appeler Prometheus et dire que ça a été un échec cuisant et. On n'a même pas rencontré en personne. Mais on peut pas le rencontrer en personne. Je suis persuadé qu'il est en train de faire quelque chose sur la transcendance. Télécharger les esprits des êtres humains dans des machines. Eh ben tu sais quoi, tu l'appelleras toi-même Prometheus, parce que moi j'ai pas envie de lui raconter tout ça, ça me fait chier cette histoire. Bon bah je l'appelle. Comment ça tourne en rond, c'est pas... On va vers le véhicule. Donc bah, l'homme de main de Prometheus, hein, oui.
Merci Stanislas. Est-ce qu'on pourrait parler à Monsieur Prometheus? Oui, je vous le passe. Merci. T'attends quelques secondes, Prometheus? Oui, nous avons eu un entretien avec cette espèce de saloperie de merde de Kobayashi de mes deux. Ils ne se présentent pas en chair et en os, ils discutent que par écran interposé. C'est une véritable machine, d'ailleurs je crois que c'est une machine, et qui nous a fait passer des tests à la con de stress, et qu'on n'a pas réussi. Donc il nous a prié de partir. Ah! Je suis à deux doigts de faire sauter son bâtiment, mais je ne pense pas que ça aidera la cause. Non, pas trop. Vous risqueriez juste de vous mettre les autorités à dos. Exact. Écoutez, je vais voir ce que je peux faire de mon côté. On va essayer de se trouver un petit hôtel et on vous tient au courant. Très bien. Très frustrant. Je suis bien énervé, je suis... Kobayashiot, oui. On va se descendre dans un petit hôtel, histoire de... Vous en trouvez un assez facilement. Digérer tout ça. Moi, je suis blanc, je suis vide. J'ai toujours pas remis cette chute dans le tuyau, là. De toute façon, la prochaine étape, c'est son exposé, sa démonstration publique. C'est-à-dire le futur massacre qui va y avoir dans deux jours. Tu penses? Oui. Oh, la prochaine apparition du boucher, en tout cas. C'est la méthode habituelle du boucher. Lui, tout seul, ou plein d'acolytes qui vont arriver, qui vont massacrer un maximum de gens. Et qui nous prouve que ce Kobayashi, c'est pas comme l'autre filet qu'on a... Ce sera la télévision, ce sera pas en public. Oui, mais t'inquiète que eux, ils sauront où ça se passe. Et si le boucher il était capable de tuer des gens comme ça pendant la diffusion, tout le monde, tous ces gens devant leur télévision, tout devient possible. Faut trouver son QG. Faut surveiller son immeuble pour voir les pilotes potentiels. Si le boucher veut ce logiciel, autant le détruire, ce logiciel, pour pas qu'il tombe dans les mains du boucher. Il pourrait aussi nous être utile. Pour. Peut-être, mais je vois pas en quoi. Là, tout de suite, je ne vois aucune utilité non plus, mais... Réfléchissez-y, c'est le genre d'intelligence artificielle qui ne se présentera pas avant... au moins un bon moment. Mon avis, ce Kobayashi a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années d'avance devant lui, technologiquement parlant, et devant tous les autres. Ça se trouve, ce n'est même pas un être humain. Ça se trouve, ce n'est pas un être humain. Je te le garantis. Ce canne là qu'on a buté. C'est encore un autre cas, mais oui. Et si c'est un truc du réseau qu'on a raté, lamentablement, peut-être. On va avoir accès au poignard. Donc si l'autre le réussit, lui, il va y avoir accès. Peut-être. Mais on nous dit qu'il y a un poignard. L'autre là, Khan, il nous a dit qu'il était intéressé par le logiciel. Oui, mais le logiciel qui donne justement accès à un test te donnerait accès au poignard. Je pense que là, tu vas trop loin. Je pense que c'est plus... Ou alors ce serait un logiciel... Ou alors ce serait un logiciel d'accès au poignard. Ça aussi. En tout cas, ce mélange de technologie, de temps... Ça ne me dit rien qui vaille. On est à l'hôtel, là? Mais bon. Affirmatif. Ouais. J'essaye de voir s'il y a des... s'il y a des magazines en anglais, genre le Tech Life ou un truc du genre, pour savoir un peu plus sur le logiciel, essayer de voir si je peux trouver des infos sur où ça pourrait se passer, tout ça. Ouais, beaucoup de médias en parlent, hein, mais comme dit, pour l'instant, a priori, l'endroit où ça va se passer est tenu secret. D'accord. Je suppose que comme au Japon, de avoir facilement accès à un ordinateur avec Internet. Oui. J'essaie juste de voir s'il n'y a pas un forum où on pourrait éventuellement trouver des gens qui auraient passé le test pour être pilote, qui parlent. Je sais pas.
Tu fais des recherches, hein, mais non, ça reste infructueux. Y a pas des leaks d'endroits probables où pourrait se tenir le truc? A priori, c'est près aux alentours de Tokyo, mais sans aucune. Alors quel endroit à Tokyo où il y a le plus de technologie, enfin qui serait le plus. Je crois que ce sont des questions que Prometheus est en train de poser à Socrate. Là tout de suite, j'aurais envie de te dire Electrotown, mais. Electro quoi? Electown, c'est une partie de la ville de Tokyo qui est beaucoup basée sur la technologie et ces choses-là. Oui, mais avec ce genre de conneries, ça se trouve, il est dans une station spatiale. Ça se trouve, il émet directement en orbite. Non, personne ne sait où il est. Et... ou de l'autre côté de la planète. C'est bien ça le problème, on ne sait pas. On n'a pas d'infos. Une chose d'ailleurs que... Mais il n'a pas de partenaire, il n'a pas de collègue, enfin, il bosse vraiment tout seul, Kobayashi, ou il a bossé avec d'autres gens? Je ne sais pas. Il travaille avec des robots, on dirait. Ouais, c'est ça la question qu'il aurait fallu poser à Prometheus. Mais il doit avoir sûrement des collaborateurs humains, mais ça... Et il n'y a pas un nom qui traîne dans un article ou quelque chose qui pourrait nous lancer sur une piste? Bah non, en général c'est Kobayashi qui ressort, Kobayashi Corp. Ok, et si je fais une recherche sur, dans le même domaine de recherche que lui, c'est quoi le nom suivant? Bon, en général, c'est Kobayashi qui ressort parce que justement, c'est le pionnier. Hein. En même temps, quand on est la technologie, c'est facile d'en créer. Et est-ce qu'il y aurait un rapport avec. Comment ça s'appelle, Cyberlink Tetranova? Non, il n'y a aucun lien entre les deux sociétés. J'ai une question ou une remarque qui n'a rien à voir. Pourquoi le boucher s'est jeté en Ariel dans le vide lorsque l'on l'a poignardé? Pourquoi est-ce qu'il a fui? Moi, j'ai une autre réflexion à faire à ce sujet. Pourquoi est-ce qu'on a réussi à le blesser? À cause des poignards. On est d'accord. C'est la seule chose qu'il craint. Le reste n'a visiblement aucun impact sur lui. Ou du moins, aucun impact concret. On peut le blesser avec des balles, on peut le ralentir avec des coups. S'il arrive à... Comme l'a dit le Sphinx, s'il utilise la même méthode que nous pour se déplacer, pour voyager dans les époques, changer de corps. Oui, mais comment il le ferait? Il n'a pas de cube? Ça se trouve, il a un cube. Ça se trouve, il y a peut-être plusieurs cubes. C'est tout à fait possible. Pourquoi il n'y en aurait qu'un seul? Est-ce que ce serait ça? Est-ce que ça voudrait dire que c'est pour ça que notre cube ne fonctionne plus? Un cube, un poignard? Et un voyage dans le temps? Je sais pas. En tout cas, il en a un. C'est théoriquement pas confirmé, mais... Bah, je vois pas pourquoi il aurait menti, l'autre. On n'en sait rien. En tout cas, moi, tout ce qui est la technologie, Kobayashi, tout ça... Pour moi, c'est de la merle. Je comprends rien. Moi, je comprends, et c'est bien ça qui me fait chier. J'aime bien la technologie, hein, qu'on soit d'accord. Mais sur ce genre de plan, c'est vraiment naze. Pour rester poli, pour une fois. Non, en fait, non, c'est vraiment de la merde en boîte. Pendant ce temps-là, je passe en revue les flingues, je les nettoie, tout ça. Je vérifie les chargeurs. Je check mon portable, perso, voir si j'ai pas eu de message depuis... Parce que je l'ai pas checké depuis un bon moment. Au bout de plusieurs heures, hein, y a justement... Bon, pour rappel... directement Prometheus au téléphone. J'ai réussi à vous avoir des places. Vous allez être dans un des hélicoptères de la télé. J'ai pas pu faire mieux. Enfin une bonne nouvelle. Okay. A priori, selon mes informations, ça se passera au Mont Fuji. Un endroit plutôt dégagé. Donc pour faire des tests un peu, j'imagine que c'est plutôt bien. A priori, il ne devrait pas y avoir trop de monde. Seuls quelques journalistes ont été invités. Et après, des gens de chez Kobayashi Corp. Il y a des vrais gens quand même.
Soyons clairs, vous n'avez jamais eu affaire à lui directement ? Ah non. Est-ce que quelqu'un sait quand il est né et compagnie ? De toute façon, je lui ai dit que le boucher était sur cette race, il n'en avait rien à carrer. Si c'est une machine, il n'a pas à avoir peur de lui. Bon, dans 2 jours, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Prométhéus, est-ce que vous savez si cet enfoiré de est-ce que vous savez si papa a eu accès à Kobayashi Corp de près ou de loin ? Il aurait bossé pour eux, peut-être ? Je suis pas au courant de toutes les exactions de mon père. Pas à ma connaissance. Dommage. Et dites-moi, Prométhéus, qu'est-ce qui nous empêche là tout de suite maintenant d'aller au Mont Fuji ? Pour y faire quoi ? C'est peut-être pas forcément le genre de test qui se prépare à la dernière minute. Peut-être, oui, mais... A priori, ce que vous me disiez, c'est que le boucher avait quelque chose. Le programme. Kobayashi. Oui. Kobayashi, à mon avis, sera là le jour du test, peut-être pas avant. Ça va être dur de préparer une embuscade. Vous avez pas une idée d'où il peut se cacher, Kobayashi ? Non, mais il est peut-être dans son immeuble, hein. Ça avait l'air... d'être... Un centre de sélection plutôt qu'autre chose. Ouais, sur la vidéo qu'on a vue de lui, ça avait l'air d'être un endroit plus ancien. Enfin... Plus traditionnel. Voilà, traditionnel. Ça se trouve, ce Kobayashi, c'est une femme. Ça se trouve, c'est un enfant. On ne sait pas. Ça se trouve, c'est plusieurs personnes. Ce n'était que de la vidéo. Je ne peux pas vous aider. Mais a priori, selon mes informations, ce serait une vraie personne. De ce qu'on a vu, ça paraît difficile à croire, mais nous verrons bien. C'était une vraie personne. Il y a des collègues. Hein. Il y a des employés, comme Bayachi Corp. Un associé. C'est le seul scientifique. Ah bah non, j'imagine que non. En tout cas, il va falloir qu'on prenne notre mal en patience. C'est ça. Putain, fais chier, quelle merde. Le bon côté des choses, c'est que je vais pouvoir me reposer un peu. Donc bah vous rongez votre frein pendant 2 jours, hein. Question, oui. Oui, du coup, moi j'avais checké mon portable, personne m'a appelé. Bah a priori si, ta mère a essayé de te joindre. Ouais. Et moi ? Bon, question, est-ce que quelqu'un d'important a essayé de m'appeler ? Non. Ça va, c'est pas la première fois. Bah toi, Camille, si on a essayé de te joindre, ton employé sûrement, parce que pas de nouvelles depuis plusieurs jours. Qui partait sans date de retour. Je sais pas encore quand. Ok. En tout cas, Camille, si on s'en sort, t'auras de quoi nous écrire un beau roman. Je suis libraire, pas écrivain. Ouah, c'est pareil. Pas parce que j'aime lire que je sais écrire. Moi, tu trouveras l'inspi, je suis sûr. Donc, vous rangez votre frein pendant ces 2 jours. Profitez peut-être pour visiter un petit peu Tokyo, éventuellement. Voilà, hein. Et deux jours après, bah, vous rejoignez justement un peu avant l'aube le contact que vous a indiqué Prométhéus sur un héliport. Vous montez dans l'hélicoptère de la télévision. Il y a le pilote qui est là, un caméraman. Et également là, alors que vous montez, hein, et vous salue tous les deux par l'anglais. Mettez les casques, hein, et puis ensuite vous partez justement Mont Fuji. Vous a dit que ça commence à l'aube, et vous voyez justement bah, le Mont Fuji qui se dessine. Hein, et vous commencez à arriver, vous voyez, il y a un autre hélicoptère de la télévision qui est là. Vous voyez qu'il y a un hélicoptère d'escorte. Vous voyez un énorme camion bourré de technologie. Vous voyez également... Ben... J'ai pris des jumelles. Ok. Jolie moto. Vous voyez également ben, ces motos, hein, avec les pilotes qui ont réussi qui le testent, eux. Et... Là.
Bon, fou, je voulais pas y aller, moi, à la base. Fais chier. Et bah, vous voyez que tout le monde est en train de se préparer, tout ça. Des visions qui sont en train de filmer et autres. Hein, vous observez la scène. Pas de traces, en tout cas, du boucher ou quoi que ce soit, alors que vous regardez. Et vous voyez bah, le test qui commence, hein, les pilotes qui commencent à monter sur les motos. Vous voyez qu'apparemment, ils ont l'air de se brancher à l'aide d'un casque, hein, un petit peu particulier qui se met sur la tête, hein, et donc ils commencent à partir en roulant. Vous voyez le camion bourré de technologie, hein, qui a l'air d'être le pas camion régie, hein, mais le camion finalement qui suit un petit peu tout ça, qui est derrière, hein, votre hélicoptère qui suit, vous voyez le pilote qui commence à suivre, hein, et vous voyez au départ les motos qui roulent doucement en fait, hein, à travers les routes sinueuses du mont Fuji, ouais, qu'elles accélèrent au fur et à mesure, hein, vous voyez, le test monte progressivement finalement, a priori tout se passe bien jusque là, vous observez la scène de loin, avec des jumelles si vous en avez. Pour ceux qui en ont, pas si d'autres en ont prévu. Non, j'ai pris aussi, ouais. Ok, donc comme dit, bah, vous observez la scène, hein, vous voyez les motos qui vont de plus en plus vite. Hein, vous voyez que la conduite des motos est vraiment très, très souple, hein, ce que vous pouvez en observer, justement. Alors que vous êtes en train d'observer dans vos jumelles, à un moment vous entendez une énorme explosion. Pour regarder, en fin de compte, hein, y a le deuxième hélicoptère de la télévision qui vient d'exploser. Oh, et vous voyez un hélicoptère de combat qui est en train d'arriver. Fuck. La porte qui est ouverte et descendez un visage familier. Oh, c'est pas vrai. C'était évident. Bah oui. Un hélicoptère de combat, carrément. Mais peut-être pas l'hélicoptère de combat, tu vois. Ok, ça, j'avoue, je l'ai pas vu venir. Descendez. Comment ça? Vous avez pas vu? L'hélicoptère d'à côté, il a explosé. T'es sûr ou complètement con? Descends. Commence à plonger, en fait. Hein. Vous êtes ballotté. Le caméraman qui tombe, hein, en fait. Hein, et juste à ce moment-là... Heureusement qu'il a fait ça, hein. Un missile en fait, hein, qui passe juste au-dessus de là où vous étiez juste avant en fait, hein. Et votre hélicoptère qui commence à chuter, et vous voyez également trois jeeps qui sont en train de rattraper le camion, ils sont sur la route en fait. Faut les empêcher. La cible, c'est le camion. Comment? Faut empêcher les jeeps. Et le pilote, en fait, hein, qui commence à vouloir s'approcher du camion, hein, et là, vous tire de rafales de fusil d'assaut, en fait, hein, et le pilote, en fait, compte qu'il tombe. Red mort. Qui s'est piloté? Personne, mais on va apprendre. Personne, Reinhardt, mais on va apprendre. Reinhardt, prends les commandes. Votre hélicoptère est en train de chuter. Qu'est-ce que je dois faire, je tire vers l'avant, enfin vers l'arrière, pour essayer de faire remonter. Tu tires vers l'arrière en fin de compte, hein, et l'hélicoptère qui commence à remonter en fait, hein, t'as poussé le corps sur le côté en fait, hein, et t'es en train de remonter le corps, lui, du coup, qui vient s'écraser derrière sur Camille et Josh. Hein, On m'a dit de prendre des commandes, là, moi je m'en fous. Et toi t'es en train d'essayer de monter en fait, hein, et pareil, de nouveau des... Et tire d'assaut, hein. Rapproche-toi du camion! Les jeeps qui sont en train de se rapprocher du camion. Mais j'ai pas piloté, moi! Eh bah, justement, tu vas me faire un petit pilotage. Un truc d'héroïsme, là, parce que c'est. Ah, quand même, oui. Ah bon? Oui. Ah bon? Eh, t'as facile, j'ai zéro en piloté, hein. Ah, mais non, t'as 50. 52. Ouais, t'as du mal en fait, hein. Et vous êtes ballotté à l'arrière, hein, alors que vous voyez l'hélicoptère de combat
qui essaye à un moment de vous couper la route, hein, et Reinhardt, il donne un coup, hein, et il part sur le côté, et il est en train de se rapprocher du camion. Oh putain, oh putain, oh putain. Et on atterrit comment, ce bazar? Moi, j'ouvre la portière arrière, je m'accroche dans l'encadrement. Le souffle, en fait, hein, et vous voyez les jeeps qui sont en train de se rapprocher du camion, justement, derrière. Et vous voyez, il y a des espèces de loubars, en fait, japonais qui sont dessus, habillés comme ceux que vous aviez rencontrés à Paris. Il y a des parachutes dans l'hélico? Non, il n'y a pas de parachutes. Non, dans l'hélico, dans l'hélicoptère, il n'y en a pas, non. Jamais, je sais pas. En malentendu. Ouais, j'essaye de me rapprocher, hein. Vas-y, tu vas me refaire un jet de pilotage. Désolé, là, je vais tous les cramer, hein, je vous préviens. Ah bah oui, oui. Alors vas-y, oui, vas-y, ah, fonce. Coforie. Putain, 51, quoi. Tu t'approches encore un petit peu, hein. T'es encore un petit peu loin, mais voilà, c'est vrai que tu t'es encore rapproché un peu. Ce qui t'a... Malgré tout, ta manœuvre t'a permis, finalement... d'éviter un tir de fusil d'assaut qui est un hélicoptère de combat, hein. Mais il va nous lâcher, ce con. dès que je suis à une distance acceptable pour sauter sur le camion, tu me dis. Bah vas-y, tu peux. Alors tu me demandes un jet de quoi là? Agilité. Encore. Et vous voyez Stan, en fait, compte qu'il saute, hein, et qui arrive sur le camion. Alors, au départ, il roule, hein, et puis au moment, vous le voyez plus. Et en fait, vous voyez, c'est accroché sur le côté du camion, et il est en train de se relever, et il est sur le camion, en fait. Hein. C'est sur le dos, sur le camion, et tu vois, en fait, hein, les jeeps qui sont en train de se rapprocher. Les trois autres, qu'est-ce que vous faites? J'essaye de dégager le corps qui nous entrave et de sauter aussi, ouais, rejoindre Stan. Sauter. Okay. J'ai l'agilité. Point d'héroïsme. Oui. Oh oui, ah bah oui, ah bah oui. Heureusement que tu l'as utilisé. Tu sautes également, hein. Et c'est vrai que pareil, hein, ça en valait la peine. Tu fais une roulade, hein, tu tombes sur le camion, hein, et t'as réussi à te réceptionner, heureusement. Salut papy, c'est ici la fête. Reinhardt, tu peux diriger l'hélicoptère vers les camions et sauter ou pas? C'est ce que je vais essayer, mais on se retrouve en bas. Je sors un de mes couteaux de combat que je tente de planter dans le camion pour faire un point d'accroche. Ok, ça marche. Reinhardt, je fais la main avec mon point d'accroche. J'attends que Camille saute. Je saute avec un petit point d'héroïsme. Hein. Vas-y. YOLO. Oui, tu sautes, en fait, compte, hein, et en fait, t'arrives, et t'as réussi à assez bien te réceptionner. Alors, t'es à plat ventre, hein, sur le camion. Hein, Alors, attention, moi, je vais faire la connerie du siècle, mais tant pis. Je vais tenter de me retourner pour être quand même avec ma porte du pilote côté camion. Oui. Et sauter. Ok, ça marche. Après l'hélico, il va où il veut. Alors tu vas me faire déjà un jet de pilotage. Alors, espérons qu'il... Il vise pas le camion, l'hélico, j'espère. Oh, subtil move. Mais c'est bon. Je l'ai mis face aux voitures. Je vais quasiment à reculons, là, entre guillemets. Hein. Ouais, vas-y. Bon, le premier jet. De toute façon, point d'héroïsme pour celui-là. Hein, Oui, on est plus à ça près, je crois. Oui. Hey, tu passes. Putain, c'est pas possible. T'as du mal, hein, en fait. Il y a des perturbations et juste au moment où, en fin de compte, t'essayes de correctement te placer, hein, t'entends en fin de compte, hein, des balles qui tapent dans ton fuselage. T'entends les balles qui touchent. Vas-y. Et là, j'utilise mon dernier point d'héroïsme pour l'agilité. Oh, putain, il a tout cramé. Ah ouais, bah... Ouais, d'accord. C'est justifié. Voilà. Et tu sautes, en fin de compte, de l'hélicoptère, tut, qui commence à partir, en fin de compte, en vrille, hein. Tout se passe un petit peu au ralenti au moment où tu sautes, en fin de compte, hein. Et vous le voyez sauter vers le camion, l'hélicoptère derrière lui qui se prend de nouveau une rafale de fusil d'assaut, qui explose, en fin de compte, hein. Et toi, tu tombes lourdement sur le camion. Il en perd son casque.
Et l'hélicoptère de combat, en fin de compte, hein, qui commence à venir vers le camion. Vous voyez les jeeps qui sont quasiment à portée. Alors, je tiens le couteau sur le toit du camion. Oui. Je prends une grenade défensive, donc gros impact. Oui. Sur les jeeps. Bah, tu vas me faire un jet de un petit jet de lancer. Vas-y, fais-moi un jet. Tu utilises un point d'héroïsme ou pas? Ouais. Ok, vas-y. Tu jettes en fin de compte hein, ta grenade hein, et en fait hein, vous voyez, la grenade tombe directement dans une jeep hein, et là vous... Et la jeep en fin de compte qui vole hein, qui s'explose hein, donc il reste encore deux jeeps, celle qui est derrière en fin de compte qui a dû ralentir pour éviter la première qui vient d'exploser, l'autre qui est toujours juste derrière le camion. Je vais. L'hélicoptère de combat qui est en train de se rapprocher. Je sors mon flingue et j'essaye de tirer sur le pilote de la deuxième jeep. Vas-y. Point d'héroïsme. Ok. J'allais te mettre un malus. Tu commences à tirer en fait, hein. Une balle, deux balles, trois balles. Et. La jeep en fait, compte qui part, hein, qui sort de route, hein. Et qui va s'écraser dans le ravin qui est à côté de la route, hein, et qui tombe, donc il n'y a plus qu'une seule jeep. À ce moment-là, vous voyez l'hélicoptère de combat, vous voyez le boucher, en fin de compte, qui saute de l'hélicoptère. Oh, fuck. Et qui s'écrase lourdement sur le camion à côté de vous. Oh-oh. Reinhard, Camille, c'est à vous. Je suis où par rapport à lui, hein. T'es juste à côté, toi. J'essaie de donner un coup dans les rotules. Vas-y. Du coup, c'est cac, hein, c'est ça? Bien sûr. Oui. Oh putain. Ça a très mal se passer. Ah, Vanilla en plus. Ah bah oui. Ouais, ah, je peux claquer mon point d'héroïsme quand même ou pas? Tu dis ça, t'es sur le camion et t'arrives même pas à le toucher en fait, hein. Et tu vois qu'il sourit alors qu'il commence à s'avancer vers toi. Moi je prends le flingue et je tire. Vas-y. Mais c'est Vanilla, j'ai plus de points, hein, les gars. Pareil, tu tires. Ah, mais je suis toujours couché sur le toit du plat du véhicule. Moi, je suis toujours. Ouais, ah, tu tires, hein, mais bon, voilà, les balles partent un petit peu n'importe où. Hein, et Camille, lui, bah, il va essayer de t'attaquer. Je peux faire contre ça. Tenter une esquive. Bah j'esquive alors avec un petit point d'héroïsme. Ah vas-y, agilité. La grâce de la gazelle. En fait, tu roules sur le côté, hein, et lui il vient frapper, et tu vois son poing qui traverse le toit finalement de l'arrière du camion, hein, à ce moment-là, et tu vois qu'il est même embêté en fait, hein, pour retirer son poing. Stan. Je lève la tête, je mets un genou, j'ai un genou sur le capot, j'ouvre l'impair, j'empoigne mon fusil à pompe. Enculé ! Vas-y. Et là. Waouh. Tu tires, hein, pff, oh, et tu vois qu'il bouge pas, il a toujours son poing qui est coincé dans le camion, hein, et il s'est pris de l'impact. Josh. Je crie Josh. C'est parti. Et je vais, pendant qu'il est occupé avec son hachoir, je vais tenter de prendre mon poignard, le poignard un Georges, hein, un des deux. Et je vais essayer de lui mettre au niveau de la jambe. Ok, ça marche. Hein. Comme dit, vous êtes toujours sur le camion qui roule, hein, donc t'auras des malus, mais vas-y. Point d'héroïsme. On va pas prendre de risque. Parti. Heureusement que tu l'as utilisé. Heureusement. Hein. Donc t'arrives hein, et tu plantes en fin de compte. Hein. Ah
Reinhardt. Comme de toute façon, je vois que je vais être inutile avec le flingue. J'essaye d'avancer sur le véhicule pour essayer d'arriver à l'avant. Pour dire au véhicule de l'arrêter. Ok, ça marche. Hein. Bah, tu vas juste me faire un jet d'agilité. Pourquoi je le sens pas? Ah si. Tu arrives, hein. Donc, tu es lent, hein, mais t'essaies de marcher, en fait, hein, sur le camion, Camille. Toi, au moment où tu t'as esquivé, t'as vu que à la ceinture, en fait, du boucher, il y avait un poignard. Oh. Même que ce que vous avez. Ok. Alors, il s'est occupé à essayer de s'extirper du truc, il s'est pris le machin. Bah, je vais essayer de lui prendre avec un super point d'héroïsme. Agilité. Oh, pickpocket. Oh. Tiru. Ah oui. Oh. Tu tends la main, en fait, compte, hein, et tu as chopé le poignard. Tu vois qu'il te regarde avec un regard noir, hein. Alors qu'il est toujours le poing coincé dans le camion. Il n'arrive pas à s'extirper pour l'instant. Merci, situation scénaristique. Bon, allez, j'ai aidé aussi, hein. Il essaye de quand même te donner un coup avec sa main gauche, Camille. J'esquive. Mais voilà, il est déstabilisé et il a juste donné un coup dans le vent. Très bien. J'étais un chat dans une autre vie. Je me suis rapproché, je l'ai immobilisé, il est encerclé, je pose le canon sur sa poitrine, boum. Et je recharge, et je retire, et je vide le chargeur comme ça. Je suis à bout portant. Tu commences à tirer. Ah. Et il tombe. Et il disparaît. Oh la vache, il disparaît. Ok. Toi, oh le salaud, t'es arrivé. Tu fais « Arrêtez le camion! Arrêtez le camion !» Et le camion commence à s'arrêter, en fait. Hein, Merde, alors. Lui aussi, il est fait en vert. Le camion s'est arrêté. C'était un souvenir. Je me retourne vers la Jeep qui nous poursuivait. Tu regardes, en fin de compte, tu la vois, elle est en train de s'éloigner, et les portes arrière du camion sont ouvertes. Oh non. Et à la place du boucher, il n'y a plus rien, quoi. Il a fait pouf. C'est ça, il a fait pouf. Ouais, on descend et on regarde à l'arrière du camion. Si ah oui, parce que les portes sont ouvertes, donc c'est pas bon. vous y allez, en fait, hein, et vous voyez à l'arrière du camion, grand truc technologique, vous voyez, les ordinateurs et tout ça, apparemment, qui étaient en train de suivre toutes les données des motos et ainsi de suite, hein, et vous voyez un corps étendu au sol, dans une mare de sang. Kobayashi. Ah bah il était bien vivant. Il est encore en vie ou pas? Non. Il est mort dans une mare de sang. Ouais, il aurait peut-être encore mort. Vous voyez, moto qui s'arrête, le pilote qui commence à descendre du camion, qui vient voir aussi, commence à pousser des cris en japonais, vous comprenez pas. Par la suite, vous commencez à entendre des sirènes qui commencent à arriver au loin. Et non. On se casse. Cassos. Partez comment? À pied? Pour le moment, oui. Regarde les motos. Ok. Tu regardes les motos, ouais. Vous pouvez remonter à pied. Vous savez qu'il y avait une Jeep qui était tombée dans le dans le ravin. Vous pouvez peut-être essayer d'y aller. C'est vrai qu'il y a les motos. Mais on va vite se faire repérer parce que. Alors on appelle Prometheus de suite. Hein. Ouais, mais on se casse quand même. On s'arrache, on s'arrache. Bon, vous vous arrachez, hein, vous prenez la tangente, hein. Vous avez un moment où vous voyez les voitures de police passer. Il y a pas mal de végétation autour du pont Fuji, donc on peut se planquer. Voilà, c'est ça, tout à fait, hein. Vous vous planquez, et puis après, ça vous prend plusieurs heures, hein, avant de rejoindre Tokyo et ensuite votre hôtel.
but c'était quoi, c'était la technologie ou Kobayashi? Dans l'hôtel, je leur dis tous de venir dans ma chambre dans l'hôtel. J'ouvre le bar, je prends la bouteille de champagne qui doit être dedans, je l'ouvre et je bois au goulot et je la pose sur la table et je m'assois sur un fauteuil. Je bois un coup aussi, j'ai eu la peur de ma vie. T'as eu la peur de ta vie? Et puis, et moi alors? Bravo la Knight, bravo. Je prends la bouteille aussi et je fais putain de merde. Je sais, normalement j'ai pas le droit, mais vos gueules. T'inquiète. T'as absolument gagné le droit de le faire. On s'est bien fendu la gueule. Par contre, je crois qu'on a un peu échoué quand même. Et Kobayashi, il est mort. Ça m'a évité de le crever moi-même. Ils ont pris quelque chose. Je te parle pas de ça, je te parle de la technologie à mon avis. Ils l'ont prise? Il manquait quelque chose dans le camion? J'ai pas eu le temps de voir. On a pas eu le temps de regarder. Il faut prévenir Prometheus. Fais-moi ça, gamin. Parce que moi j'en ai marre de piloter tout connerie. Par contre, si c'était pas un total échec, je leur montre le poignard. Je lui tends la bouteille, je lui fais à la tienne. Donc le poignard, il lui un petit peu. Oh. Oh non. Et les autres, non? Non. Oh non. Oh c'est si. C'est une clé, non pas maintenant. C'est Camille qui a le cube. Non, pas maintenant. Ah si, c'est Camille. Alors, ah non, pas maintenant. Avant, on prévient Prometheus pour qu'on s'occupe de nos corps, là, parce que... Voilà. Ah non, pas maintenant. Non, je prends la bouteille. Si. Vous prenez Prometheus. On prévient Prometheus. Une autre. Je mets la bouteille sur la table. J'ai pas sans une autre. Il y en a plus. C'est bon, tout le monde est rassuré, on y va. On lui explique à Prometheus. On dit dans quelle chambre on est. Vous lui donnez toutes les infos pour pouvoir dire de retrouver vos corps. Tout à fait. Quoi? Pourquoi le cœur? Je veux pas mort. Pas prometté plus. Non, je suis pas d'accord. Et une fois que c'est fait, bien. Come by. Je rapproche le couteau du cube. Non, je suis pas d'accord. Je veux pas y aller. Oh, je poignarde sur le cube. Je me mets bien dans le fauteuil. Moi, je me sors le lit. Hein. Ah non, moi j'essaye de sortir de la chambre. Avant tu restes là, Reinhardt. Ferme ta gueule, Reinhardt. La lumière baisse. Les faisceaux bleutés commencent à quadriller vos corps. Oh putain, vous sentez vos esprits qui sont en train de quitter vos corps. Bienvenue sur le réseau divin. Transfert vers Nexus 2. Procédure engagée. Et là, voyage, tourbillon, maelstrom de lumière, vous vous sentez partir, vous ne savez pas où, vous sentez vos corps rentrer à nouveau dans vos esprits qui rentrent dans d'autres corps, en fait, par effraction. Procédure terminée. Nexus 2, Caraïbes. 47 heures, 59 minutes. Elizabeth Queen, je m'en doutais. 59. 58. Les gars, on est... 57. Morgane, oh ça va être la merde. Et voici que se conclut l'épisode 5 du Réseau Divin. On va jouer les pirates. Do what you want, cause the pirate is free. Non, j'arrête.